Honneur car. Yasolo. Boyebi Uto Ngonga ya Zomina Moko. Tata Moko nationale congolaise est toujours là pour vous donner les temps forts qui ont dominé ce tête-à-tête entre le président somalien qui effectue une visite de travail depuis la nuit dernière en République démocratique du Congo. Il venait de s'entretenir en tête-à-tête avec son homologue congolais, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 2 heures d'entrevue en tête-à-tête, il faut le faire. Certainement que les deux personnalités ont évoqué des sujets d'intérêt commun au niveau du continent africain, quand on sait que la République de Somalie traverse une période difficile sur le plan politique depuis la fin du mandat du président Mohamed Abdali Mohamed. En 2017, il s'est posé un problème, la classe politique s'est retrouvée, du moins les gens qui étaient d'accord pour la prolongation du mandat du président somalien, on lui a accordé au moins deux ans de plus. Mais cette prolongation divise, hein, ça il faut le dire, divise la classe politique somalienne. Est-ce cette question était au centre de ce tête-à-tête qui a duré plus de 2 heures entre les deux personnalités? Nous osons croire, parce que Félix Tshisekedi Tshilombo est aujourd'hui président de l'Union africaine. Il est tout à fait normal, quand il y a des différends dans un pays africain, que ses homologues puissent venir les consulter et avoir ces sages conseils. Et nous croyons que le président somalien, on a eu le temps de parler de la situation politique qui traverse actuellement son pays au président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en même temps, hein, il faut le souligner, Giscard Koussema, qui en même temps, le président de l'Union africaine, dont nous osons croire qu'au-delà de la coopération entre la Somalie et la République démocratique, au-delà de la coopération entre la Somalie et la République démocratique du Congo, il y a également la situation politique, hein, un peu difficile que traverse la Somalie, qui a été au centre des entretiens entre les deux chefs d'État. Et nous allons le savoir tout à l'heure, parce que le président somalien aura certainement la parole pour s'adresser au peuple africain concernant la situation politique de son pays. Oui, nous l'avons dit en début de ce reportage que c'est la demande de la présidence somalienne que cette visite de travail a lieu ici à Kinshasa en ce jour du 19 avril 2021. Les deux chefs d'État ont eu près de 2 heures de tête-à-tête. Il y a quelques instants, on a vu sortir de la salle les accompagnateurs de deux chefs d'État côté congolais. Il y a le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo, qui assistait les chefs de l'État, mais aussi la ministre des Affaires étrangères sortante, Marie Toumba Nzenza, qui est sortie, tout comme le conseiller principal au collège diplomatique, Christian Bouchiri. On a vu également sortir de cette même salle les accompagnateurs du chef de l'État, Mohamed Abdoulaye Mohamed, dont le ministre des Affaires étrangères du Somali, ce qui nous fait croire que maintenant ils sont dans la dernière phase entre les deux chefs d'État qui sont dans la salle, on le rappelle, depuis 12 heures, heure de Kinshasa, et dans 10 minutes exactement, il sera 14 heures, donc 2 heures d'entrevue. Donc pour l'instant, les deux présidents sont à deux, sans accompagnateur. Ils sont en train de poursuivre cette entrevue dans le cadre de cette visite de travail, rappelons-le, à la demande de la République somalienne. Alors, vous parliez tout à l'heure de questions bilatérales. Il est vrai qu'il n'y a pas de relations de représentation diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Somalie, mais dans le cadre de l'Union africaine, les deux États ont un certain nombre de valeurs à préserver, notamment des valeurs liées à la démocratie, au respect des droits de l'homme. Et si le président somalien est ici, c'est parce que justement il y a
de quelques situations au niveau de la politique intérieure de cet État. Vous l'avez rappelé, le président Mohamed, élu en 2017, n'aura fait qu'une année avant qu'il ne tombe, disons, en disgrâce avec le Parlement qu'il avait élu. 92 de 275 députés nationaux avaient signé sa déchéance, mais les élections qui devaient être organisées en 2021 n'ont pas eu lieu, et au niveau de la classe politique, décision avait été prise de pouvoir entrer dans un glissement, ça c'est une expression à la congolaise, une prolongation de mandat de 12 mois. Donc nous sommes en période de prolongation maintenant pour ces élections qui étaient prévues en 2021. Et suivant les accords conclus au niveau interne, le Parlement qui a déçu le président de la République, disons qui a proposé un mandat de censure, le Parlement lui-même s'est donné 2 ans. Donc c'est une question interne. On suppose que ce mandat a besoin de la sagesse au niveau de l'Union africaine pour pouvoir donner des conseils, des orientations. Donc c'est en qualité de président de l'Union africaine que le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu aujourd'hui son homologue de Somalie. D'ici quelques instants, les deux vont sortir de cette salle. Chacun va pouvoir s'exprimer, à commencer par l'hôte de marque, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, qui pourrait peut-être même faire une allocution de quelques 5 minutes pour nous faire part de tout ce qui a été dit entre les deux chefs d'État. Vous avez parfaitement raison, Giscard Akoussema. Nous attendons de pied ferme cette importante déclaration du président somalien au terme des entrevues qu'il a en ce moment même en tête à tête, et ça il faut le dire, les deux parties sont sorties, hein, la partie congolaise et la partie somalienne ont quitté la salle. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est resté et seul avec son homologue somalien. Vite, parce que l'on sent que les deux chefs d'État vont sortir finalement de cette entrevue qui aura duré exactement 2 heures. D'ici quelques instants, ils vont se présenter devant la presse ici. Ce n'est pas une conférence de presse classique, il n'y a pas de jeu de questions-réponses, mais on va suivre les allocutions de deux chefs d'État. Donc ce sont des réactions. Ils vont donner des réactions. On va poser la question aux deux chefs d'État qui vont. Voilà, voilà, très chers téléspectateurs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'Union africaine, et son homologue somalien, qui viennent donc auprès du président de la République somalienne, Mohamed Abdali Mohamed. Vous venez d'arriver en République démocratique du Congo et de vous entretenir avec le chef de l'État congolais qui est en même temps président de l'Union africaine. Vous effectuez cette visite au Congo dans un contexte particulier au niveau de votre pays, avec la fin de votre mandat et également la prolongation pour quelques mois ou quelques années avant d'organiser les élections. Est-ce que vous avez parlé de cette crise politique à votre homologue congolais, et est-ce que vous pouvez également rassurer au peuple africain que dans 2 ans vous allez élections dans votre pays? Mr. President, you visited our president and our country. Mr. President, you have visited our country in a difficult context back in Somalia, where there will be elections postponed for 2 years now, in 2 years' time. Is there anything you would like to tell to the people of the DRC and the African people who are listening to you? I would like to know the current status of this situation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, it's a great honor and pleasure to be here in the Democratic Republic of Congo to discuss and advance the bilateral relations of our two brotherly states and people. I thank His Excellency President Félix Tshisekedi and the people of the DRC
for the wonderful welcome and hospitality afforded to my delegation during this historic visit. I wanted to recognize the dual role you are playing, Mr. President. First, as my dear brotherly host, as the leader of this great nation, and secondly, your continental duty as the new African Union chair. I can assure you of Somali's unwavering support of your ambitious policy priorities in both roles. Somalia and DRC enjoy a relationship built on mutual respect and cooperation for common endeavors, especially the sustainable development of our people and countries. In many ways, our two nations also have... You interpret? Yes, I would like to translate, Mr. President. Do I repeat again, please? Yes, no problem. Give it to him, that page. Mr. President. Monsieur le Président. It's a great honor and privilege. C'est un grand honneur et privilège. And pleasure to be here in the Democratic Republic of Congo. Ainsi qu'une faveur d'être ici en République démocratique du Congo. To discuss and advance the bilateral relationship or relations. Afin de faire avancer nos relations bilatérales. Of our two brotherly states and people. Les relations bilatérales de nos deux pays frères et amis. I thank His Excellency President Félix Tshisekedi and the people of DRC for the wonderful welcome and hospitality. Je remercie Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le peuple de la République démocratique du Congo pour ce merveilleux accueil et l'hospitalité qu'ils nous ont démontré. Afforded to my delegation during this historic visit. À moi et à ma délégation. I wanted to recognize the dual role you are playing, Mr. President. Monsieur le Président, je voudrais reconnaître le grand rôle que vous êtes en train de jouer, le double rôle que vous êtes en train de jouer. First, as my dear brotherly host, as the leader of this great nation. Premièrement, le rôle en tant que celui qui me reçoit ici comme le président de cette très grande nation. And secondly, your continental duty as the new African Union chair. Et deuxièmement, en tant que président de l'Union africaine. I can assure you of Somalia's unwavering support of your ambitious policy priorities in both roles. Je peux vous assurer du soutien total que la Somalie apporte à votre politique au niveau de notre continent. Somalia and the DRC enjoy a relationship built on mutual respect and cooperation. La Somalie et la République démocratique du Congo sont fiers des relations qui les lient et qui sont basées sur le respect mutuel. For common endeavors, especially the sustainable development of our people and our countries. Ainsi que le désir conjoint, les yeux mutuels, de pouvoir travailler dans le développement durable de nos deux peuples. In many ways, our two nations also have a painfully difficult history characterized by security, political and economic challenges. Mais aussi, nos pays ont connu des problèmes qui sont similaires, notamment qui sont liés à des difficultés de sécurité politique ainsi que de justice. That we are fighting our way back from with determination, perseverances and people-centered policies. Et de ce fait, nous sommes en train de nous relever ensemble à travers la persévérance ainsi que le fait que nos peuples se mettent debout pour résoudre ces problèmes. I congratulate you, Your Excellency, President, for your clear vision of improving the lives of your people through achievement of policy and good governance. Monsieur le Président, je vous félicite pour avoir atteint le bien-être, travailler pour le bien-être de votre peuple à travers les réformes de votre politique
ainsi que votre engagement complet. That empower your country since taking office. Et c'est comme ça que vous avez amené votre pays, vous avez dirigé votre pays depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. Given the historic peaceful transition of power in the DRC to your presidency, it's clear that the country is taking important steps on its democratization and inclusive political journey. Depuis qu'il y a eu la passation pacifique du pouvoir, à partir de votre prise de pouvoir, il est donc clair que le pays a pris une direction claire dans le processus démocratique et la passation, dans la pacification de l'État complet. It also illustrates the extent to which the people of DRC support your agenda for change and progress. Mais c'est aussi clair que le peuple congolais est en train de soutenir votre vision pour ce qui est du changement et des réformes. In Somalia, like the brotherly DRC, we are also making clear and measurable progress on all fronts. Et en Somalie également, votre pays frère, nous sommes également en train de faire des progrès dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Somalia is no longer the bad story coming out of African continent. La Somalie n'est plus liée à des histoires mauvaises qui sortent ou qui viennent du continent africain. We are a beacon of hope building on a track record of strong economic, social and political reforms. Nous sommes maintenant un pays, une nation qui est référencée comme une nation qui emmène de l'espoir, qui est construite sur les efforts économiques et politiques. Like their brothers and sisters in the DRC, the Somali people want to take center stage in their country's development by freely and fairly electing their representatives. Alors, vos frères et sœurs de la Somalie veulent se rassurer que c'est eux qui prennent en charge le développement de leur pays en élisant démocratiquement leurs propres leaders. With regards to Somalia's efforts to hold peaceful, inclusive and timely elections, my government would welcome the role of the African Union in facilitating a Somali-led and Somali-owned engagement process. Pour ce qui est de la Somalie, nous sommes prêts à ce que l'Union africaine nous aide aide à la facilitation qui est liée à nous soutenir pour les élections qui devront se tenir de manière pacifique et dans le temps qui sera dévolu. That would lead to a dialogue among all Somali stakeholders. Et cela, la facilitation va donc emmener au dialogue, va soutenir le dialogue parmi les parties somaliennes. Such a process, we feel, would help restore trust and bridge the outstanding issues on election and governance matters. Je pense que ce processus va aider à créer de la confiance et de l'espoir afin que nous ayons des élections, un processus électoral bien conçu. We are also confident that the presence of African Union and the role of its good offices would help us restore trust. Et nous croyons également que la présence et l'accompagnement de l'Union africaine va aider à reconstruire ou ramener la confiance. In Somalia, we are truly committed to achieving government by the people and for the people in line with the best global democratic traditions. En Somalie, nous sommes déterminés à choisir un gouvernement par le peuple et pour le peuple et qui sera reconnu au niveau mondial. In this regard, I urge all partners, including the African Union, of which you, Mr. President, is chair, to support these historic and timely elections, timely decisions. C'est pour ça que je vous demande, Monsieur le Président, vous en tant que Président de l'Union africaine, de pouvoir soutenir ce processus qui va nous conduire à des élections ou encore les décisions qui ont été prises au niveau de notre pays. The Somali government seeks to further strengthen its bilateral relations with DRC
in all forms to create more opportunities for trade, commerce and economic interconnectivity for our two sides. Alors, au niveau de notre gouvernement, nous voulons le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays qui va amener à promouvoir le commerce ainsi que les échanges économiques qui vont bénéficier à nos deux peuples. Mr. President, as I said earlier, it's an honor to be here in this beautiful capital of Kinshasa with you. Monsieur le Président, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un honneur pour moi d'être dans cette belle capitale Kinshasa. I look forward to continue the positive discussions to advance our two countries' bilateral relations. J'ai hâte de continuer les discussions qui vont nous amener à renforcer nos relations bilatérales. Furthermore, we are committed to working closely with you to realize the African Union Agenda 2063 priorities to achieve stability, progress and prosperity for the people of our beautiful continent. Mais aussi, nous sommes prêts à vous soutenir afin que nous puissions travailler pour atteindre les objectifs prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui va amener le progrès, qui va amener le développement pour nos peuples. I thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. La réaction du président de la République démocratique du Congo et en même temps président en exercice de l'Union africaine. Nous voulons parler ici de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, quelle est votre réaction après avoir reçu la visite de votre homologue frère de la République de Somalie, la Somalie qui, à travers son président, a sollicité votre leadership pour obtenir cette visite de travail, d'autant plus que cette visite s'est faite dans un site historique qui est dédié justement à l'Union africaine, Monsieur le Président. Oui, bien, merci. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à mon cher frère, le Président Mohamed Abdoulaye de Somalie, ainsi qu'à sa délégation. Et nos discussions ont tourné évidemment sur, comme il l'a dit, une coopération qu'il souhaite entre nos deux pays, une coopération bilatérale, un rapprochement. Vous savez que dans l'histoire déjà, la Somalie et la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre avaient de bonnes accointances au niveau du leadership. Nous souhaiterions que cela continue. Mais nous avons également, comme vous pouvez vous l'imaginer, parlé de la situation en Somalie, un pays qui a énormément souffert des affres de la guerre. As Mr. President has said, first of all, I would like once again to welcome Mr. President and his delegation, and we are also happy for have discussed how we can build relationship between our two countries, especially in terms of bilateral relations between us. But also, we are aware that Somalia has been suffering in the past, even though we were two countries that were close to each other. We also know the suffering of the people of Somalia, and we think that this discussion would be of good instance for us. Et dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie. Et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. And during our discussions, we all agreed that there are a lot of progress that has been made in Somalia. And our advice, we all agreed that it is important to continue in the way of dialogue and also to ensure continuation of institutions of the country.
et nous l'avons assuré du soutien de l'Union africaine et de sa disponibilité à accompagner le dialogue interne et à continuer la recherche de la paix et de la sécurité pour le bien-être du peuple somalien. We have ensured him of the support of the African Union as well as its availability to support the internal dialogue that is going on as well as the support for the continuation in order to come to a real solution, a sustainable solution for the country. Voilà. Je vous remercie. Thank you. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez donc là de suivre les interventions du président en somalien et l'intervention également du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait d'accorder ce tête-à-tête à son homologue somalien qui effectue une visite de travail en République démocratique du Congo. Il est arrivé hier, tard la nyuit, par l'aéroport international d'Ndjili, accueilli par la ministre sortante des Affaires étrangères, Nzenza Landou Ntumba. Et aujourd'hui, les deux personnalités venaient de réaffirmer l'engagement des deux pays, la Somalie et la République démocratique du Congo, de poursuivre la coopération bilatérale entre les deux pays. Une coopération qui sera axée certainement sur les différents domaines, mais un accent particulier a été mis sur les bons offices que la République démocratique du Congo, qui chapeaute aujourd'hui l'Union africaine et par le biais du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse mener pour que la Somalie retrouve la stabilité et la paix pendant cette période difficile. Depuis 2017, le mandat du président somalien a pris fin après cette motion de censure intervenue au niveau du Parlement. Mais alors, il y a une prolongation de quelques années qui a été donnée aux autorités pour l'organisation des élections. Et le président de la République a accepté la disponibilité de l'Union africaine pour jouer ce rôle de médiation afin de réconcilier le peuple somalien pour regarder dans la même direction, ce malgré quelques petites divergences qu'il peut y avoir au niveau de la politique. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la reconstruction de la Somalie, un pays qui a traversé des années et des années de guerre avec surtout les chebabs islamistes qui ont déchiré pratiquement ce pays depuis la mort de Siane Barré. Et ce pays aujourd'hui a besoin de la paix, besoin de la sécurité, besoin de la stabilité. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de président de l'Union africaine, a manifesté la disponibilité de l'Union africaine pour mener cette mission de bons offices afin de réconcilier le peuple somalien. Des sources sûres, nous apprenons que le président somalien rentre dans son pays aujourd'hui même après ce dîner qui lui est offert en ce moment même par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Grand a été pour nous, très chers téléspectateurs, le plaisir de vous retransmettre en direct à partir d'ici, de la cité de l'Union africaine, cette visite officielle qu'effectue le président somalien sur le sol congolais. Chico Bipendu, merci. Merci à Verga Douanani, merci à Giscard Kousema, Jérémy Skelanin, à tout le monde, pratiquement, qui a contribué pour cette retransmission. Et toute l'équipe technique, Patrick Mbamou, vous y êtes. Tout le monde, Clary, je sais que c'est toi qui étais au niveau de l'infographie. Grand était le plaisir pour l'RTNC de vous retransmettre cette visite de travail qu'effectue le président somalien sur les sols congolais. Bientôt, il va peut-être regagner son pays. Nous aurons l'occasion de vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci à Maxime Androgua qui a réalisé cette retransmission. Merci.